Hello tout le monde, nouveau vlog aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver. On commence ce vlog avec un truc mais trop contente. Attendez, je vais baisser la télé. Tout le monde se moque de moi, mon bébé. Tout le monde se moque de moi en disant que voilà, je suis hyper en avance avec Noël. Sauf que toutes mes abonnées m'ont prévenu, Alex, faut absolument que tu mettes TF1, il y a un film de Noël à la télé. Donc voilà, je suis pas la seule en avance, je tiens à le préciser. Hier pareil, dans Le Meilleur Pâtissier, ça y est, ça a repris, je suis trop contente. C'est une de mes émissions préférées avec The Voice et Koh-Lanta. Et pareil, ils faisaient des gâteaux sur le thème de Noël et tout. Enfin sur le thème de l'hiver, enfin j'ai trop aimé. Ah mon sèche-linge, j'ai fini, il faut que j'aille le sortir. Petit pacha, hein, je suis toujours bien entourée. Et du coup, le facteur est enfin venu. Je n'attendais pas le colis du tout aujourd'hui, mais trop contente. J'ai enfin reçu ma première commande Bath & Body Works. Donc j'ai commandé, j'ai craqué depuis le temps que je voulais. Et je voulais absolument craquer pour la collection de Noël. Dès que j'ai vu les bougies qui étaient sorties, je me suis dit, Alex, c'est le moment de passer commande. Voilà, de tester Shipito. Voilà, je suis passée par Shipito. Certes, les frais de port sont exorbitants. J'en ai eu pour 75€ d'envoi, plus 22€ de frais de douane. Donc voilà, vous comptez. Il faut compter en gros. Après j'ai fait une big commande, il fait plus de 20 kg. J'ai commandé des savons pour les mains, des bougies bien entendu et autre chose. Mais bon, je vais pas tout vous dire parce que ça sera l'objet d'une vidéo spéciale. Mais dans ce vlog, puisque les vlogs ça sert à ça, ça vous montre l'envers du décor des vidéos. J'ai reçu mon carton, donc ça je peux vous le montrer. Donc il y a bien écrit Bath & Body Works dessus. Trop contente. Et quand j'ai ouvert le carton, je suis trop contente de vous retrouver en fait le design de la boutique. Vous savez, des carreaux en bleu comme ça, c'est magnifique. Avec le petit truc Christmas. Ça m'incite à repasser commande, mais vraiment tellement je suis bluffée. Je vous parlerai des odeurs, tout ça en vidéo. Mais juste voilà, je voulais vous montrer. Rien n'est cassé. Donc tant mieux, heureusement, parce que pour le prix, là j'aurais été dégoûtée de que ce soit cassé, de renvoyer ou de je sais pas comment ça se passe après. Ils m'auront certainement remboursé ce qui était cassé. Il y a un film de Noël à la télé, j'adore cette actrice, je sais plus qui c'est. Faudra que je retrouve le nom d'ailleurs de cette actrice, faut que je regarde sur le programme télé. Et après là il y a mon neveu qui va venir avec ma belle-sœur. Donc je les attends, il fait pas beau du tout, ça c'est tout couvert apparemment, demain il pleut donc j'ai trop hâte. En plus j'ai reçu mes bougies là, je sais pas si je vais en faire brûler une honnêtement. Je pense pas que je vais attendre la vidéo pour faire brûler une bougie parce que ça me démange. Donc je pense que je vais en faire brûler une et puis c'est pas grave, hein. Vous me pardonnerez si dans la vidéo de je tournerai certainement demain parce que je vais pas me retenir sinon. J'ai déjà enlevé tout ce qui était papier bulle pour présenter tout ça, ça sera quand même beaucoup plus simple. Ah mais je vous assure, et il y a des odeurs que je pensais que j'allais moins aimer que j'aime plus et des odeurs que j'allais trop aimer que finalement je suis moins fan. Donc voilà, comme quoi ça veut rien dire et c'est le problème quand on commande sur internet, mais je suis trop contente. En tout cas le design des bougies, tout sont sublimes. Bref, j'arrête. Je vais enlever tout ce qu'il y a au séchage parce que là je me dépêche, j'ai fait le ménage. Il me manque juste la serpillière à faire mais je le ferai quand mon neveu tout ça sera parti. Il va passer la fin d'après-midi avec nous puisque vu qu'il fait la sieste et tout ça, je pense qu'ils vont venir vers 4h, là il est 15h. Donc écoutez, je vais finir de regarder le film de Noël, c'est trop beau, sans les guirlandes de fleurs et tout. Il est magnifique ce film, je sais pas ce que c'est, faudra que je vous dise le nom si j'arrive à le trouver. C'est trop beau. J'adore l'histoire et tout, est excellente. Bref, j'arrête de parler, on se retrouve plus tard. Hello tout le monde, je vous retrouve du coup, je sais plus, 2-3 jours après. Mes vlogs en ce moment sont sur plusieurs jours parce que des fois, bah, après je fais plein d'autres choses dans la journée. J'ai pas forcément le temps de filmer. Et du coup, je voulais vous parler de cette palette. C'est la nouvelle palette de Maybelline. Elle est juste magnifique, c'est la The Burgundy Bar. Elle a des tons vraiment, je trouve pour les fêtes, elle est canon. Parce que c'est vraiment dans les tons bordeaux, dorés, vraiment hyper festive. Vous allez pouvoir tenter de la remporter du coup sur mon Instagram. Donc je vous invite vraiment à rejoindre mon compte. Je vous mets tout en barre d'infos de toute façon comme d'habitude. Du coup voilà le rangé de la palette. Donc vous avez que des irisés. C'est une palette vraiment irisée mais genre le bordeaux ici vraiment trop joli, le blanc, le doré, le nacré beige un peu aussi en deuxième là vers là à côté du top. Oh, les couleurs sont vraiment divines, je pense qu'on peut faire de super beaux maquillages avec cette palette pour Noël. Vous avez également un pinceau double embout, donc avec un pinceau mousse sur le côté et un petit pinceau classique. Bon c'est pas le meilleur pinceau je vous avoue, mais franchement cette petite palette pour son prix vaut plutôt le coup. Ça je suis trop contente. Des petits concours parce que moi je suis contente en fait de tester des produits mais que vous aussi que vous puissiez les tester. C'est vraiment gentil de leur part à chaque fois de m'en envoyer deux pour que je puisse vous en faire gagner une. Là je vais aller manger, je sais pas ce que je vais manger, peut-être que je vais manger une soupe et encore j'ai pas très faim là tout de suite, il est déjà 12h30 et comme je me suis levée un petit peu plus tard que d'habitude, je suis toujours levée à 7h-8h. Là je me suis levée à 9h30. Ouais ça m'a fait du bien un petit peu de dormir un petit peu plus parce que franchement je suis en arrêt depuis que j'ai mon entorse et tout ça et que c'est pas la joie. Et je suis toujours levée à 6h-7h du matin quoi, un truc de malade. Et là c'est la première fois que j'arrive à dormir un petit peu plus. Donc ouh alléluia, ça c'est parce qu'il va y avoir la reprise du travail bientôt. Donc je reprends mercredi si tout va bien, si le spécialiste me donne le feu vert lundi. Donc de toute façon je vous tiendrai au courant de tout ça. Mais il me tarde quand même parce que franchement ça va me faire du bien. J'aurais pas cru dire ça un jour mais j'ai hâte quand même de reprendre le travail.
Je crois que je vais pas manger tout de suite. Je vais aller faire un petit tour à Ikea et je voulais passer à Carrefour pour acheter, vous savez, les nouvelles capsules Lipton de thé. Pour tester à la Dolce Gusto, il faut que je me rachète en même temps du Marrakech Tea. Donc voilà, c'est l'occasion. Donc je vais faire ça. Je pense que je vous emmène avec moi et j'irai plutôt manger après. Parce que franchement, j'ai pas faim. Même si je mange à 15h, c'est pas bien grave. Au pire, ce soir, je mangerai pas. Je boirai juste un thé. Ça m'ira très très bien. Et je voulais racheter des clémentines aussi. C'est ma passion, les clémentines. Bref, donc je vous emmène et à tout de suite. Ça y est, je suis bien arrivée à Ikea, donc let's go, je vais aller voir un petit peu ce que je trouve. Je vais voir s'ils ont installé les décos de Noël, je suis pas sûre honnêtement, mais voilà, je vais aller voir. Bon du coup ça y est, je suis sortie de chez Ikea, j'ai juste acheté un petit tabouret en bois pour mettre mon arbre lumineux dans ma chambre et en fait les décos Noël, non mais comme je suis une poissarde c'est pas possible, c'est à partir de demain le 21 octobre et nous sommes le 20 bien entendu, il y a qu'à moi que ça arrive, poisseuse un jour, poisseuse toujours. Du coup ils étaient en train de tout installer mais on pouvait pas y accéder et il y avait des trucs juste trop beaux, mais vraiment pour Ikea c'était vraiment beau, je trouve qu'ils sont vraiment améliorés. C'est pas grave, du coup let's go, je pars à Carrefour pour aller acheter mes petites dosettes Dolce Gusto Marrakech Tea et goûter les Lipton qu'ils ont sortis, thé aux fruits rouges surtout, et la nuit paisible me tente beaucoup, donc voilà, je pense que je vais prendre ça et les clémentines sans oublier. Allez, à tout de suite. Voilà, je suis arrivée à Carrefour Grand Var, du coup let's go, je vais chercher le thé, j'ai trop trop hâte de les goûter, je vous ferai une dégustation peut-être à la maison, au moins comme ça vous saurez si on peut craquer ou non. Ça y est, j'ai été chez Carrefour, je meurs de chaud, il fait une chaleur pas possible aujourd'hui, c'était pas prévu. Du coup, au lieu de prendre les Dolce Gusto Marrakech Tea, je vais tester les Lipton Marrakech Tea, voir si ça a vraiment le même goût ou non. C'est sans sucre, feuille de thé de qualité. Donc j'ai hâte de goûter, voir s'il vaut le Dolce Gusto et je vous en dirai des nouvelles s'il vaut le Marrakech Tea. Lui, c'est le Marrakech Mint. Donc voilà, on va voir. Et sinon, bah, au pire, je prendrai lui s'il est meilleur. Mais ça m'étonnerait qu'il détrône quand même. J'ai pris le thé noir aux fruits rouges, l'autre c'était un thé vert. Et j'ai pris ça, j'ai pris la verveine pour tester nuit tranquille. Donc voilà, là de goûter, je vous dirai ça à la maison. Rien de folichon, j'ai pris un petit marron bio comme ça et une butternut comme ça bio aussi. C'était le lot de 2 pour 2,50. Ça vaut le coup en plus bio. Et du coup, je vais faire une bonne soupe avec. Je pense que je vais vous faire certainement une petite recette comme ça vite fait dans ma routine morning. Évidemment, j'ai pris des clémentines. Donc voilà, je vais les mettre là en attendant pour pas les casser. Je vais vite à Zodio et je vous retrouve tout à l'heure. Et après, je rentre parce que je vais manger. Là, il commence à se faire faim. Je vais certainement me faire une petite soupe. Au moins, ça sera fait. Rapidos et des clémentines en dessert, c'est tout ce que j'aime. Et c'est parti, on y va. Bon, du coup j'ai été chez Zodio, c'est magnifique, mais pareil je trouve ça hors de prix, donc j'ai pris quelques trucs, j'ai craqué sur 2-3 trucs de Noël. Oui, je sais pas si je vous les montre maintenant, non j'attendrai peut-être mon haul, non je sais pas. Bon, je vous montre vite fait comme ça, et déjà même les pochettes, ça je vais le mettre au pied de mon sapin, c'est juste magnifique et j'ai trouvé un énorme sucre d'orge, oh là là là. Bref, je vous montrerai ça dans mes achats de Noël parce qu'il y en a qui trouvent que c'est trop tôt, mais je sais pas, moi je trouve pas que c'est trop tôt puisqu'il y a tous les magasins qui ont déjà tout mis. Je suis rentrée comme d'habitude quand je reviens des courses. Mounou Pacha se couche toujours sur les trucs que je viens d'acheter. Donc ça c'est le tabouret qu'il faut que je monte. Ça comme je vous ai dit, je vous montrerai ce que j'ai acheté. De toute façon j'ai pas acheté grand chose. Mais je voulais absolument vous montrer cette tassie qui est juste énorme de chez Zodio. Et j'ai trop craqué, en plus elle est seulement à 5,90€. Elle est très très grande et pour faire mes thés elle sera parfaite. Je sais je suis une folle de tasse, mais celle-là je l'avais déjà repérée il y a plus d'un mois. Surprise, en plus je suis rentrée et il y a eu en fait dans le garage où je me gare, en fait en bas on a deux places de parking. Et il y a une voiture en fait qui se gare à côté de moi, un voisin. Et quand je suis arrivée là à l'instant, j'ai vu que tout le derrière de sa vitre était cassé. Donc
sa voiture a été vandalisée, il y avait du verre partout. Donc j'ai regardé un peu les autres voitures, parce qu'en plus il y avait la voiture de mon chéri, parce que lui il va au travail à pied. Donc je me suis dit tant ils ont vandalisé toutes les voitures, en fait non, ils ont vandalisé que celle-ci. Donc malheureusement je pense qu'il avait dû laisser un truc voyant et que voilà, ils ont cassé. Donc je pense que j'étais la première sur les lieux. Le problème c'est que je sais pas à qui elle appartient, parce qu'on a pas mal de voisins nous ici dans la résidence. Je peux pas le prévenir, donc je sais pas trop quoi faire, si je dois appeler les policiers ou pas. Bref. Et on a mon regard, mon bébé, comme il me regarde. C'est l'amour fou. Chez Audio, tous les calendriers de l'avant qu'il y avait, c'était juste magnifique. Également chez Carrefour, ils ont sorti tous les coffrets de Noël. C'était trop beau. Je vous ai filmé un coffret avec une tasse reine. Mais il faut que je me calme, j'ai tellement de tâches. Mais qu'en achetant en ce moment, elles sont tellement belles à cette période. Avec une tasse reine, vous avez plein de pochoirs pour faire les chocolats chauds et tout. C'était trop beau. Et je me suis retenue vachement. Hein. Il y avait les promos beauté aussi chez Carrefour. Ça vous intéresse, mais moi j'ai pas mal de choses. Il y avait plein de shampoings qui valaient le coup. Les gels douche, ça valait énormément le coup. Il y avait les dopes aux saveurs d'enfance, aux bonbons, à la pomme d'amour, à la madeleine, aux 4 quarts. Enfin, il y avait plein de choses, au Coca-Cola, au Dragibus, enfin bref, des trucs de fou, ça sentait trop bon, ça valait le coup. Les 3 dopes, je crois qu'ils étaient à 2€ et quelques au lieu de 4 et quelques. Alors du coup j'ai mis les 3 boîtes ici, donc je vais goûter celui-ci, le Marrakech Mint. On va voir s'il vaut le Marrakech Tea de Dolce Gusto. Et les boîtes sont quand même super jolies. Du coup les capsules, par contre vous en avez que 12, alors que les Dolce Gusto vous en avez 16 dans la boîte. Les capsules sont comme ça. Regardez le plus beau. Hein, Pacha? Quand il fait ce miaulement, c'est qu'il veut à manger. Il fait le malheureux. Pacha? Ouh là là. Ouh là là, le méchant garçon. Ouh, 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 ouh. Pas content, pas content. Bon alors ça y est, je me le suis fait, j'ai goûté et honnêtement ça vaut pas le Marrakech Tea. Il est beaucoup moins sucré, donc il faut mettre un sucre, mais moi je le bois comme ça, c'est pas grave. Et j'ai pris le catalogue du coup de Zodio et honnêtement ils font des choses trop bien pour Noël. Regardez-moi ça, les bonhommes en pain d'épices. Ils ont même les maisons à décorer, il y a des idées recettes dedans, enfin c'est trop beau. Le catalogue est magnifique, si vous pouvez vous le procurer. Franchement foncez, c'est assez cher Zodio honnêtement, mais c'est quand même très joli ce qu'ils ont installé pour Noël. Donc voilà, je vous invite à aller faire un petit tour. J'y retournerai certainement. Je vais terminer ce vlog ici, je vais faire le montage du vlog maintenant. En tout cas je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Gros bisous tout le monde, bye bye.